Quand vous amenez des jeunes ou des moins jeunes dans un monument, il y a une émotion qui se passe. Et cette émotion est absolument sans prix. Je me sens toujours épuisée quand je suis dans un musée. C'est vraiment comme si je rentre dans un autre monde et je voulais donner cette possibilité aussi aux autres. Là, en fait, c'est un créateur de liens sociaux. Art Explora, elle essaie en fait de nous faire du bien à tous. Les valeurs derrière Art Explora en fait sont basées sur l'échange et la rencontre d'univers qui sont très différents. J'ai découvert qu'il y avait plein de différentes activités de bénévolat, des missions dans les EHPAD ou des missions dans des centres de loisirs et des hôpitaux pour les enfants. Alors Art Explora est présent dans de nombreuses régions en France. La communauté des bénévoles de la Fondation Art Explora très diverses. Il me semble que c'est vraiment une force. Des gens qui sont dans le monde de l'art, d'autres qui sont dans d'autres secteurs comme moi. Qui sont tous là pour des motivations complètement différentes, mais finalement, il y a une union de quelque chose qui nous met tous ensemble. Nous ne sommes ni des profs d'histoire, ni des conservateurs de musées. Ça demande juste de l'investissement personnel, en fait. Ce qui m'a vraiment engagé dans la fondation, je pense, c'est les petits formidables, c'est les petits merci beaucoup. Le temps passe très vite et qu'une fois qu'on est là-bas, on a envie de rester plus longtemps parce que le rapport avec le public est très réel. À l'avenir, je crois vraiment que la fondation Art Explora va se développer et on va avoir besoin de nouvelles voix. On sera encore plus nombreux. Comme je parle à tout le monde de cette mission qui est juste géniale, tout le monde trouve ça formidable. Faire partie de cette aventure est quelque chose d'extrêmement enrichissant et j'espère que de plus en plus de personnes seront attirées comme moi.